Aujourd'hui, je vous parle des drivers, des conditionnements que nous avons intégrés à notre insu dans notre enfance. Il y a cinq drivers et apparemment, chacun et chacune, nous avons deux drivers dominants. Je vais commencer par les deux qui me concernent. Soit parfait, soit parfaite, ce sont des personnes à tendance perfectionniste qui sont très compétentes en termes d'organisation et de méthodologie. Et leur challenge, ça va être d'accepter les erreurs, d'accepter que toute expérience et que les erreurs sont là pour nous aider à grandir. Deuxième driver, fait plaisir. Ce sont des personnes qui vont être axées sur la satisfaction des besoins des autres et qui vont avoir du mal à écouter leurs propres besoins. Donc leur challenge, ça va être d'écouter leurs besoins. Le troisième driver que l'on retrouve chez les garçons et dans les métiers de la sécurité, comme les gendarmes et les sapeurs-pompiers, c'est sois fort. Donc dans ce driver, on note que le point fort, ça va être des personnes qui vont être très endurantes, qui vont être capables de gérer un niveau de stress important, des personnes qui vont être également fortes face à l'adversité. Leur challenge, ça va être d'accepter leur vulnérabilité et également d'accepter d'entrer en contact avec leurs émotions. Parce que ce sont des personnes qui peuvent être dans le déni émotionnel et qui peuvent avoir des difficultés avec leurs émotions. Quatrième driver, dépêche-toi. Ce sont des personnes qui sont capables d'abattre une quantité de travail importante en peu de temps. Leur challenge, ça va être de ralentir et d'apprendre à être dans le moment présent. Et le cinquième et dernier driver, c'est fais des efforts. Ce sont des personnes donc, qui peuvent effectivement travailler sur le long terme et faire beaucoup d'efforts. Leur challenge, ça va être de ralentir, de ne pas tomber dans le burn-out et d'apprendre à lâcher prise. Voilà les cinq drivers. Si ces sujets vous intéressent, je vous invite à vous abonner, à me retrouver également sur mon site www.terraneo.com/sève et à partager la vidéo si elle vous intéresse. Merci.